Bonjour. Voilà, on va tester ce jeu. Je vais baisser la musique après, enfin je vais carrément l'enlever. Pour l'instant je peux pas, j'ai l'impression. Est-ce que je peux... Ouais, ok. Mettre des minuscules. Voilà. Ok. On va directement aller dans les options, je sais qu'on s'en fout un peu. Hop, désolé. Désolé. Et voilà. Autour. Alors je connais pas le jeu, ça a l'air d'être un jeu genre casse-tête et tout, avec des énigmes et tout, enfin, oui, on verra. Donc jouer, c'est parti. J'ai carrément, j'ai l'impression d'avoir tiré tous les sons en fait. C'est quoi ça? Je sais pas. Tour, je regarde les options en fait. Ok, c'était les options de jouabilité je pense. Nouvelle partie, c'est parti. Ok, donc je dois cliquer pour bouger, très bien, d'accord, ok. On va cliquer sur Spenji. Parchemin? Quel parchemin? Tu vois un parchemin? Ah ok, pardon, il me le tendait. Parchemin trouvé. Cliquer. Ok, quoi? Ok. Je dois retirer le petit truc. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais, je dois le dérouler, évidemment. Très bien. Lettre de Léonard. Ah, il faut lire. Je déteste lire. Donc, j'espère qu'il va pas falloir lire dans le jeu. À mon avis... attends. Clic gauche sur le bouton pour retour. Quitter. Hein? J'espère que normalement il est dans l'inventaire. Enfin, il est dans l'inventaire, le parchemin. Ok. Très bien. On rentre comment? Ça. Non. Il faudrait coulisser ça. On peut pas. Il y a peut-être un mécanisme sur ça. Ce truc là, là, non, ouais, la partie supérieure, vas-y, ah ouais, d'accord, ok, ouais, et du coup je tire sur ça, non, attendez, observons, ah, allez, je peux lever ça, du coup, non, il y a un truc qui s'est fait, là, ah d'accord, ok, on va le dérouler jusqu'au fond. Très bien. Maintenant, si je tire sur ça. Une clé. Un petit objet métallique. Ok. Donc c'est... Fier boîte à lettres. Ok. Je peux les assembler pour... Ok, donc on la voit en 3D. Là, je vais devoir là. Ok. J'ai l'impression qu'il y a deux parties qui sont s'emboîtées. Donc, hop. Tac. Je peux pas. D'accord. Et là, je tourne. MDR. Très bien. Très bien. Bon, ça va, si c'est... Que les trucs genre mécanismes et tout, moi ça me va. Si c'est lire et tout, se prendre la tête et tout, moi ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse, mais voilà. Bon, c'est des vidéos qui vont prendre du temps, je pense. On va voir si je fais une série. Oui, après, qu'est-ce que je fais? Oui, je l'ai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec, s'il te plaît? Oui, clé complétée, complète. Très bien. Très bien. Voilà, j'ai... ok, ouais. Ensuite. Ah. Est-ce que il y a une serrure quelque part? Là, il y a un truc qui doit tourner vers la gauche, qui doit aller vers la gauche. Cherche un endroit où utiliser la clé.
Oui, voilà. Il faut double-cliquer sur les trucs, faut que je prenne l'habitude. Chercher un endroit qui disait la clé, vas-y, sache coulisse. Hop, la clé, hop. Touk. Je la tourne. Très bien. J'ouvre ça. Encore un truc qui tourne. Ah non, ok, on l'a simplement pris. Ou puis-je l'essayer? Dans ton cul. Avec glisser vers. Touk. Waouh. Ah oui, d'accord, c'est pour voir à travers. Très bien. Alors, il faut essayer de choper ça. Touk. Touk. Parfait, nous sommes entrés. Qu'est-ce qui se passe? Mais il est parti où, monsieur? C'est Batman! Je suis le Batman. Waouh. Tornado spin et tout, le monsieur, là. On ferme pas la porte derrière nous. D'accord. Est-ce que on peut pas regarder derrière soi? Il se passe rien, on va aller à la prochaine porte, hein. Touk. Alors. Il fait un peu pas jour. Ah, d'accord. Alors, je vais essayer de mettre quand même un peu de musique. La musique du jeu, évidemment. Pour essayer de mettre une ambiance sale. Donc, je vais mettre à... en fait, j'entends rien pour l'instant. Je vais mettre à 20. Voilà. Jouer. Non, si c'est... Voilà, hop. Et j'entends rien. Vous entendez? Bon, tant pis. Un parchemin. Let's go. Hop, on le prend. Ça, il faut le virer. Ok, on glisse comme tout à l'heure. D'accord, on les roule tout seul. Je vois pas c'est quoi ce mot-là. J'ai caché. Ok. Hop. Donc là, sur le mur, il y a déjà un trou là, j'ai l'impression. On a eu cette pièce là. Ok, je voulais pas faire ça, mais je l'ai fait. Saut à trois branches. D'accord. Est-ce que je peux la mettre ici? Non. Qu'est-ce que je peux faire ici là? Ça se tourne, je peux pas double-cliquer. On va utiliser l'œil de Batman là, tac. On n'a rien. Si je fais le tour. On n'a rien, à part ce trou. On est vachement bien distingué de l'autre décor. On va se diriger par là, peut-être. Ah! Ok, let's go. Il va falloir tourner, je suis sûr. Ah. Alors, on va utiliser ça, peut-être. Non, même pas. Bon, c'est utilisé. Je monte. Ok. On va tourner jusqu'à ce que... Voilà, ça fait clic. Ok. Ça... Ouais, un magnétisme. Waouh. Ça fait peur.
Ah. Oula. Les couleurs. Les couleurs. Ah, je vois, il va falloir remettre le rouge avec les points rouges, etc. Donc, on va récupérer le vert, parce que là, pour le rouge, les deux points rouges sont pris. Donc, on va prendre le vert. Tac. On va le tourner là. Pouc. On va prendre le bleu. Pour l'instant, ça a l'air simple. Youp. Parfait. Ah, il y a un truc de clé là. Là, il va retirer. Un gant. Ah, c'est le gant de Assassin's Creed, MDR. Ok. Ouh, yeah. Nice. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Très bien. Approchons-nous de ça. Ben ouais, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il faut une clé. Maintenant qu'on a le truc là, est-ce qu'on peut pas... Non, on peut pas crocheter. Ok, donc là on a vu qu'il y avait une croix ici. Attends, on va désactiver ça. Est-ce que... Ah, très bien. Ok. Il faut incruster un truc dedans, je suppose. J'ai rien à y mettre dedans. On y reviendra. Peut-être que j'ai un objet à mettre... Après, je sais pas. Parce que là, j'ai rien d'autre. Ici, il n'y a plus rien. Très bien. Un livre. Ça a l'air d'être un registre. Il y a plein de noms. De A à celui de A à quoi? Je sais plus comment s'appelait le livre. Ah, redonne! Donne-moi l'accès. De A à G. On va voir si ça va jusque G. Qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert un truc. Attends, on va activer ça. Il y a peut-être un message secret dans ça. Donc ça va jusqu'à G, très bien. On va mettre la U de Batman et visiter un peu la maison. Touc. Voir s'il n'y a pas des trucs secrets à part cette croix là. Tu y as rien. Par contre, ça encombre un peu la vue. Très bien. Moi, ça m'embête de pas pouvoir aller là, quoi. Il n'y a rien d'autre qu'on peut. Parce que finalement, on l'avait tiré ce truc-là. Ah, voyez-vous sur les côtés ces trucs-là? Est-ce qu'on peut? Ouais. Si on les rapproche, tac, tac. Bon là, il n'y a plus rien, mais il aurait dû y avoir quelque chose peut-être. Est-ce que j'aurais pas cette pièce-là qui serait ailleurs? On va voir le sud-gauche, sud-droite, pardon. On peut pas. Ça tourne, ça on l'a tiré. Ça, je peux vraiment pas le bouger. Là, je suis à fond, là, je suis à fond. Il faudrait trouver une pièce qui ressemble. Est-ce que on a cette pièce sur le côté? Est-ce qu'on peut? Non, on peut toujours pas aller. Là, on peut pas. Sur le dessus, est-ce qu'on peut y aller? Très bien. Là, on n'a rien loupé ici. Aller par ici. Il y a un autre bouquin là. Ok, c'est un autre registre. L'infirmerie.
Très bien. Est-ce que j'ai accès à un inventaire ou on peut faire I? Suggestion. Ah zut. Bon, ça c'est peut-être les. Il y a une plaque dorée ornementale à l'intérieur du casque ouvert. Je ne vois rien d'autre. Ah ben c'est ce qu'il nous fallait. Attendez. Ah. Est-ce que on peut aller ici? Non. C'est vice, je peux rien faire. Il y a un truc à faire là. Je vais utiliser ça. D'accord. Ouais, mais j'y vais comment là en dessous? Donc là, il y a un espèce de rail à cran là. Là, des engrenages. Ah! Mais, attends. Est-ce que sans ça, je suis obligé d'activer ça? Bon. Écoutez, je ne sais pas par quel moyen j'arrive à faire ça, mais. Ensuite. D'accord. Ok. Et là, j'ouvre ça. Voilà. Maintenant, on va retourner en bas, là. Ici. Touk. Là. On utilise l'orne. Non, on peut pas. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, là? Hop. Non, ça va pas ici. Là, ça n'y arrive pas là. Non. Bon, faut trouver une espèce de fleur, là, qui irait quelque part ailleurs. Est-ce que ça, ah, est-ce que ça irait pas à l'endroit où on était au début? Touk. Là. Enfin, zoom là-dessus. Non. Non, il y a une suggestion qui a pop encore. Ah putain. Heureusement que c'est là. J'ai pas tout vu. Ah, je l'avais bien vu cette forme, mais j'ai cru que c'était la texture. Bon, on a ça, on va peut-être pouvoir le mettre dans la fente qu'on avait vu là. Donc. Tac. Alors là, il va falloir jouer avec gauche droite sûrement, non? Non, bon, juste tourner, ok. Là, on a une partie d'ornement en bois. Est-ce que ce serait pas ça? Le truc qui nous manquait là. Touk, on peut descendre. Ah, il faut que je recule E. Voilà, tac, tac et tac. Très bien. Un objet cylindrique. Une toupie, non, une vis en laiton, d'accord. J'aurais dit une toupie. Très bien, une vis en laiton. Où aurait-on besoin d'une vis en laiton? Est-ce que j'en aurais pas besoin ici? Touk. Non, plus. Je vais revenir là. Là, c'est une clé qu'il nous faut, c'est pas... Ah, ça n'irait pas. Une vis. Je vais faire une pause ici, comme ça on sera à 20 minutes pile, quoi. Donc je vous laisse là pour la première partie. Salut! Dans le prochain épisode. Waouh! C'est un Rubik's Cube géant. Très bien. Ah! Oh! Ben dis donc! Ok, je suis Iron Man. Donc là, il y a des traces de sperme. Ok. Là, il se passe rien. Ah, si on peut baisser ça.